Comment bien se protéger quand on veut communiquer avec ses anges, archanges, guides spirituels? Communiquer avec des entités est aussi valable pour les passeurs d'âmes, anges, archanges et guides spirituels peut conduire à un déséquilibre mental, car des présences mal intentionnées peuvent se connecter à vous. Elles abusent ainsi de votre manque de discernement et se font passer pour des guides ou présences spirituelles, pour vous induire en erreur et vous égarer dans vos enseignements sur votre développement spirituel. J'y ai rencontré trop de médiums, télépathes ou emphatiques, passeurs d'âmes ou novices avides de connaissances présentant malheureusement ce cas. C'est pour cela que je mets à votre disposition des protocoles, des astuces ou des bases pour vous protéger de cela. Voici quelques exemples de techniques de protection, il en existe une infinité. Cette liste n'est pas exhaustive, il y a encore bien d'autres méthodes mais je pense que ceci est déjà bien pour un début. Technique de protection sans connaissance particulière. Une introduction à la magie protectrice serait bien incomplète sans mentionner des techniques de base qui ne demandent aucune formule ni rituel. Ces trucs sont si faciles et efficaces que pratiquement tous les sorciers devraient les connaître. Le sel. Un cercle de sel autour d'une personne empêche les démons et les mauvais sorts de l'atteindre. On peut déposer une ligne de sel le long d'une porte ou sur le rebord d'une fenêtre pour la rendre infranchissable aux esprits malins. Le fer. Le fer pur symbolise la volonté et repousse le mal. C'est pourquoi les sorciers placent parfois un quelconque objet en fer dans l'entrée de leur demeure, pour décourager les visiteurs indésirables. Trois clous de fer enfoncés dans le cadre d'une porte ou d'une fenêtre, un à chaque coin inférieur et un en haut au milieu, bloquent le passage aux démons. On raconte également que la plupart des esprits sont incapables de traverser un chemin de fer, car une ligne de fer ininterrompue symbolise une frontière ou un mur spirituel. Pour passer d'un côté à l'autre d'une voie ferrée, les entités non corporelles doivent donc emprunter un pont, une passerelle ou un tunnel et passer en dessous ou au-dessus des rails. L'argent. Ce métal symbolise la lune et la déesse, ce qui rend les bijoux en argent très faciles à enchanter pour en faire des talismans de protection. Un pentacle en argent constitue une puissante protection même sans le doter d'un sortilège. Le pentacle. L'étoile à cinq pointes symbolisant les éléments peut être tracée pratiquement n'importe où comme rune de protection, les pentagrammes, les pentacles, et aussi les pentacles AB Julio, ECT. La lumière. Beaucoup de démons inférieurs évitent les lieux éclairés et n'attaquent que lorsqu'il fait sombre. Ceci n'a malheureusement aucune utilité contre les démons de rang plus élevé. Le feu. Certains mauvais esprits craignent le feu, en particulier ceux qui sont liés à l'eau ou à la glace, dans certains cas, une simple bougie peut donc constituer une protection. Les cristaux. Quatre cristaux de quartz préalablement bénis par le pouvoir de l'intention ou pouvoir du verbe ou à la pleine lune durant 24 HRS permettent de créer un cercle de protection très rapidement. Il suffit de les disposer en cercle sur le sol pour délimiter une bulle infranchissable pour la plupart des démons. Ce cercle peut protéger la personne qui s'y réfugie, ou au contraire il peut servir à emprisonner un démon au milieu. Le cercle est beaucoup plus résistant si les cristaux sont placés vis-à-vis les points cardinaux. Deux pommes et un couteau. Une autre méthode très simple pour créer un cercle de protection. Une pomme coupée en deux dans le sens de la largeur présente cinq espaces contenant ses graines, comme un pentacle naturel. Déposée au sol vis-à-vis les points cardinaux, deux demi-pommes forment un cercle de protection temporaire, qui disparaît lorsque les pommes sont complètement oxydées et ont changé de couleur. Ce cercle est plus puissant si les pommes sont placées vis-à-vis les points cardinaux. L'encens. Certains encens ont des ingrédients si appropriés pour chasser le mal qu'ils rendent l'air ambiant insupportable pour les démons. Avec un encens de bonne qualité, on peut donc tenir à l'écart bon nombre de mauvais esprits. Parmi les encens protecteurs les plus courants, mentionnons le santal, le patchouli, la myrrhe, l'oliban et la sauge. Les plantes. Plusieurs herbes, épices et autres plantes employées en sorcellerie ont des qualités protectrices. L'ail éloigne les créatures qui drainent leurs victimes, donc tout ce qui est vampirique de nature, le safran et le thym cassent les esprits légers et volants qui sont associés au vent, le romarin éloigne les mauvais esprits liés à l'eau, le ricin est efficace contre les fantômes. La fumée de la sauge, extrêmement purifiante, est intolérable pour les mauvais esprits. La jusquiame noire et l'aconite repoussent violemment les démons, mais ce sont des plantes très toxiques à ne pas manipuler à la légère.
Des lilas plantés près d'une demeure éloignent les esprits errants qui s'approchent par hasard, mais n'arrêtent pas ceux qui viennent avec de fermes intentions. Des branches d'une plante épineuse, comme le rosier, placées le long d'une porte ou au bord d'une fenêtre forment une barrière aussi efficace qu'une ligne de sel. Enfin, la myrrhe renforce presque tous les sorts et talismans protecteurs, et elle peut remettre en marche une protection qui a été brisée par les forces du mal. La tamée. Bien que plusieurs pratiquants traditionnalistes n'aiguisent pas leur atamée et ne s'en servent jamais pour couper quoi que ce soit, ce couteau demeure néanmoins une arme, en plus d'être un symbole phallique et donc un symbole du dieu. Un atamée correctement béni par un sorcier permet de tracer un cercle de protection très rapidement en le pointant dans l'air et en traçant la limite de ce cercle. De plus, contrairement à toute autre lame, un atamée peut blesser les esprits et les démons même s'ils n'ont pas de corps physique. Le balai. Outil de nettoyage et de purification, un balai placé debout près d'une porte d'entrée éloigne les mauvais esprits les plus faibles. De plus, si un esprit particulièrement dangereux entre dans la demeure, le balai aura tendance à tomber bruyamment sur le sol, ce qui peut constituer un signal d'alarme. Astérisque, astérisque, astérisque. Les roches et minéraux. Les pierres et gemmes ont des qualités très utiles, et plusieurs sont efficaces pour la protection. En pendentif, bracelet, collier, talisman ou périphérie d'un lieu, cela dépendra du cristal choisi. Appareil photo. L'œil de tigre est une pierre protectrice, elle éloigne les ondes négatives. Il a un effet miroir, réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Si on dispose quelques morceaux d'œil de tigre dans la maison et au-dessus de la porte, cela empêche que les ondes négatives entrent. Purification / rechargement, eau distillée salée, rayons solaires et lunaires, amas de quartz, géode d'améthyste. Appareil photo. L'améthyste bloque les mauvais sorts de type manipulatif et diminue l'effet des potions néfastes. L'améthyste transforme le négatif en positif. Excellente aussi dans une chambre à coucher et salle de séjour, elle purifie la pièce. C'est une pierre très puissante, elle donne de l'assurance et favorise les études et la méditation. Outre affermir la prise de conscience spirituelle, l'améthyste a de grands pouvoirs curatifs et purifiants. Active l'intuition et fortifie les dons psychiques. Elle nettoie l'aura et apporte bien-être et harmonie. C'est une pierre spirituelle puissante. Son pouvoir de protection est immense et inégalé, doté d'une vibration spirituelle très élevée. Préserve de l'attaque psychique. Elle chasse tous les maléfices et les actions de magie noire. On l'appelle aussi la pierre des voyants. L'améthyste nous remet sur le droit chemin. Purification / rechargement, eau distillée salée, amas de quartz, peu de soleil, tôt le matin, environ une heure, rayon lunaire. Appareil photo. L'onyx. Accroît le contrôle de soi, l'équilibre émotionnel, développe le sens des responsabilités et du self-control. Il assagit, stabilise, permet l'objectivité et apporte l'harmonie. Cette pierre neutralise les influences négatives portées en amulette, et protège la personne qui la porte des effets néfastes. Il absorbe la négativité. Favorise les rêves divinatoires et l'intuition. L'onyx est une pierre d'enracinement à la terre. Purification / rechargement, eau distillée pas de sel, rayons solaires et lunaires, amas de quartz, géode d'améthyste. Appareil photo. La magnétite peut servir de prison pour enfermer des démons inférieurs, alors que l'opale peut enfermer temporairement même les démons supérieurs. Appareil photo. La turquoise est une pierre d'amitié, de douceur et de bien-être. Elle diffuse un rayonnement chaud. Protège contre les accidents, les agressions physiques, du mauvais œil et des énergies négatives. Apporte force et courage pour la personne qui la porte. C'est une pierre positive, c'est la pierre du ciel et de la terre, énergie spirituelle et terrestre. La turquoise est toujours considérée comme une pierre de vie et de bonne fortune. Turquoise, pierre magique de protection, depuis la nuit des temps, on l'utilise pour faire des amulettes, amérindiens, chinois, indiens, égyptiens, tibétains, chamans. Pierre de rituel et de guérison, de par sa faculté à augmenter le taux vibratoire de son porteur, donnant accès aux autres dimensions spirituelles.
purification/rechargement, eau distillée, pas de sel, peu de soleil, amas de quartz, géode d'amas. La labradorite. Porteuse de lumière, la labradorite contribue à dissiper le voile sombre des illusions résultant souvent de croyances obsolètes et d'émotions non maîtrisées qui amènent à reproduire en boucle des schémas cognitifs ne correspondant plus à votre réalité et ne répondant plus à vos besoins essentiels du moment. La labradorite est une excellente pierre protectrice. Nous protège contre les influences négatives d'autrui. On peut la porter en pendentif, la mettre sur le bureau ou dans sa poche. Si vous placez une labradorite, grande taille, dans un lieu comme dans un bureau, espace de soins, lieu de méditation, elle absorbera toutes les énergies négatives humaines. On dit de la labradorite qu'elle est une sorte de bouclier doublé d'une éponge. C'est une pierre de voyance, elle harmonise l'aura. La labradorite développe les chakras des mains, magnétisme. Elle est indispensable à toute personne en relation d'aide, personnel médical, thérapeute, énergéticien, enseignant, avocat, esthéticienne, pour maintenir son taux vibratoire et sa lucidité. Elle forme une barrière qui leur permet d'éviter les fuites d'énergie face aux déversements mentaux et émotionnels discordants projetés par les nombreux interlocuteurs rencontrés durant une journée. Sa puissante action sur le mental permet d'écarter tout parasitage, de rester connecté au fil de la pensée claire soutenue par l'intuition et de capter les informations sur les plans subtils. Pierre magique par excellence, elle favorise l'activation du troisième œil, ce qui accélère le réveil et le développement des capacités de clairvoyance et de clairaudience, ainsi que la compréhension des messages intérieurs. Elle affine la sensibilité radiesthésique, stimule l'intuition ainsi que l'aptitude d'être au bon endroit au bon moment. Elle active également la puissance des chakras des mains, réveille et renforce les facultés d'auto-guérison de chacune, facilite le travail d'harmonisation énergétique et des polarités féminines/yin et masculines/yang. Véritable pierre de protection, elle est connue pour dissoudre toutes les pollutions mentales, celles que nous émettons comme celles qui sont dirigées vers nous. Reflet des couleurs célestes, elle agit comme un bouclier et absorbe les maux, chagrins et autres énergies inharmonieuses. Purification/rechargement, eau distillée salée, beaucoup de soleil, amas de quartz, géode d'améthyste. Appareil photo. L'obsidienne noire ou œil céleste ou œil d'apache. Capte et annule diverses énergies négatives incluant celles utilisées en nécromancie. L'obsidienne noire est une pierre très puissante, c'est une pierre de protection et un puissant bouclier contre les énergies négatives et les influences négatives d'autrui. Obsidienne œil céleste appelée aussi obsidienne arc-en-ciel, vert volcanique noir avec chatoiement à la lumière des couleurs arc-en-ciel, amorphe primaire. Pierre idéale pour tout travail ésotérique ou thérapeutique, permettant de développer le troisième œil en la fixant du regard durant une vingtaine de minutes à chaque séance astérisque. Pierre d'introspection et de connexion au divin, à utiliser avec beaucoup de respect. En méditation, permet de se connecter au moi supérieur et aux entités lumineuses les plus élevées, que ce soit les archanges ou les choances. L'obsidienne noire ou œil céleste ou larme d'apache, convient pour des séances de méditation, elle nous révèle la vérité intérieure. L'obsidienne est puissante sur le plan protecteur et spirituel, certains prétendent que ce serait la plus puissante mais vu les retours que j'ai constatés sur certains patients, je pense qu'elle n'est pas adaptée à tout le monde, elle peut être dangereuse si la personne a des capacités de emphatique ou médiumité aiguisée, cela peut être négatif voire néfaste sur la personne, elle forme un bouclier aurique impénétrable à toute attaque psychique ou occulte. L'œil céleste est connu et utilisé depuis l'Antiquité, notamment en Égypte ancienne. Purification/rechargement, aucune purification. Elle repousse toutes les énergies négatives et les forces du mal. Elle n'est pas... Appareil photo. La tourmaline noire, ou chole, est celle que vous devez vous procurer avant tout.
Considérée comme fondamentale et indispensable dans tout travail de thérapie et de méditation, elle permet de garder un bon enracinement. C'est aussi la pierre de protection par excellence. Cette pierre annule le rayonnement des ondes nocives émises par l'ordinateur, la télévision ou les téléphones portables. N'hésitez pas à en poser sur ces appareils pour vous en protéger. Pierre de protection par excellence. La tourmaline noire a la propriété d'être l'une des pierres les plus puissantes dans l'absorption des énergies négatives et de les dissoudre au niveau du sol. C'est la pierre principale et maîtresse en lithothérapie. C'est une pierre qui, portée sur soi, permet d'augmenter son taux vibratoire, de la protéger. De ce que j'ai vu auprès de mes patients, la tourmaline noire est conseillée aux personnes excitées et hyperactives. Pour une personne qui n'arrive à s'arrêter et est constamment speed, et elle lui permettra en douceur de se poser. Pour bénéficier de son effet en continu, l'idéal est de la porter en bijoux ou un morceau sur soi. La tourmaline noire a aussi les propriétés de protéger des phénomènes électrostatiques et des ondes hertziennes. C'est une pierre qui a toute sa place dans un lieu de passage, soit chez soi au bureau. Son effet bouclier et éponge permet au lieu de garder une certaine neutralité, réharmoniser et d'élever le taux vibratoire d'une pièce. Astérisque sur une télé, près d'un compteur électrique, proche de son ordinateur, elle permet d'absorber les ondes électrostatiques. En plaçant une tourmaline noire à chaque coin d'une pièce afin de neutraliser un maximum d'ondes électrostatiques, et de poser la pièce si celle-ci est agitée ou perturbée. Placer stratégiquement à certains endroits d'une pièce perturbée, elle harmonise et élève le taux vibratoire. De ma propre expérience, j'utilise la tourmaline noire pour équilibrer et réharmoniser les pièces de vie. À l'identique d'un patient, en séance de lithothérapie, la tourmaline noire permet l'ancrage au sol et la diffusion des éléments négatifs, les pollutions diverses en direction du sol. C'est une pierre que je porte très souvent et que j'ai entièrement adoptée. En séance de lithothérapie et surtout en travail de réharmonisation de l'aura, associée à de la labradorite, portée aussi, elle me protège des chocs ou des perturbations des patients.